Galilée. Mauvais de Galilée. L'homme de Galilée. Mauvais de Galilée. Qui a payé le prix de tes péchés? Qui t'a retiré dans la boue là où tu étais dans ce monde? Son nom c'est Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ. Bon Jésus-Christ. Le mari capable. Mobile ya koki. L'unique qui t'a aimé, mon frère, ma sœur. Kaka mobile moko alinga yewanandeko. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na pesibi nombo te na kombo ya kombo ya Mixem Jésus-Christ. Soyez là dans la joie, mon frère, ma sœur. Neko nangai zala nsengo. Nous sommes dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tozana ndako ya kombo ya Mixem Jésus-Christ. La maison de notre Père. Ndako ya tata na biso. Et en venant ici, je crois que tu as prié. Demandons que Seigneur, parle-moi. Parle-moi. C'est ça un bon chrétien. Avant de quitter sa maison, il y prie, Seigneur, je veux que tu puisses me parler aujourd'hui. Et quand le Seigneur te parle, tu es dans la joie. Et je suis, il me connaît. Oh, que son nom soit loué. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances. Alors que tous ici, nous étions étalés dans nos lits, ne sachant rien. Mais Dieu nous a encore redonné ce souffle. Et nous sommes vivants parmi les vivants. C'est parce que vous avez encore un travail à faire pour Dieu. Et il a aussi conduit nos pieds jusqu'à ce lieu ici. Un lieu consacré pour l'adoration. Nous pouvons adorer Dieu dans nos maisons, au bureau, au travail. Mais ici, c'est spécial. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que son nom soit loué. Je remercie le révérend Baruti Kasongo, notre pasteur, pour la marque de confiance qu'il a faite à mes personnes. Parce qu'il pouvait me laisser qu'on puisse placer la bande. C'est normal. C'est son église. Et quand il te sert de la chair, vous devez le remercier. Et là où il est, que le Seigneur le bénisse richement. Il le garde en parfaite santé jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. C'est ça notre souhait. Je remercie aussi le frère et sœur en Christ. Vous qui êtes là, mon frère, ma sœur. Si vous n'étiez pas là, on allait parler à qui? Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lui la parole de Dieu. Nous lisons dans Nombre 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 13:30. La Bible dit ceci. Caleb fit taire le peuple. Caleb avant qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Et nous lisons aussi toujours dans Nombre 14, 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera.
C'est un pays où coule le lin et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et nous lisons aussi dans Josué 1. Josué 1:9. Bible dit ceci. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraye point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'étais-je pas donné cet ordre? C'est un ordre venant de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraye point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. Avant toi, Seigneur, il n'y avait pas été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point. Seigneur Jésus, tout celui qui a étudié peut lire, Seigneur Jésus. Mais la vie, l'interprétation, la vie qui est liée à cette parole ne peut venir que de toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains pour que toi, le seul véritable Dieu, tu puisses nous utiliser pour bénir tes enfants. Tes enfants sont venus affamés, ils ont de requêtes, ils ont de problèmes, ils veulent t'attendre, toi, Seigneur. Parce qu'un mot venant de toi vaut mieux que mille mots venant d'un homme, Seigneur. Parce que la Bible dit, l'homme est un échec total. Et tu es le Dieu qui a toujours utilisé les êtres faibles pour que la gloire puisse revenir à toi, Seigneur. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, j'abandonne à toi, Père Céleste, mon frère et moi, Père Céleste, utilise-nous, Père Céleste, connecte-nous à ton action. Et en sortant d'ici, que tes enfants puissent parler, Père Céleste, que nos cœurs brillent entre nous quand tu nous parles. Nous prenons l'autorité contre tout esprit qui s'oppose au Saint-Esprit, que ça puisse lâcher prise. Allez, Dieu, d'ici, au nom de Jésus, les esprits de distraction, les esprits de désorientation, les attaques venant du diable, nous te chassons de ces liens et nous te consumons par la colonne de feu au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle maintenant. Connecte-nous à toi, Seigneur, car nous abandonnons en toi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Applaudissons pour le roi de rois, l'époux de nos âmes. Le mercredi passé, ce notre pasteur qui nous a prêché ici il a dit, il est en train de faire le match amical. Il veut tester s'il est encore là. Et il a parlé sur le docteur Jésus. Et nous avons vu que c'était vraiment terrible ici. Nous avons vu le témoignage. On a eu le témoignage. Le docteur Jésus était au rendez-vous. C'était vraiment une bénédiction ce mercredi-là. Qui était le mercredi? C'était une bénédiction, n'est-ce pas? Nous avons vu Dieu se manifester. Nous avons vu le docteur Jésus en œuvre. C'était une bénédiction. Et le même docteur
docteur Jésus a fait ce que nous attendons à Kikwiti là. Il y a eu même une résurrection de mort. Et mort qu'on a amené mort. Le pasteur Jacques et le pasteur ont prié, ils ne ressuscitaient pas. Le pasteur Jacques a dit non. Ça, il faut appeler l'ancien. L'homme qui a l'onction. Et ils sont allés lui appeler. Papa, ça ne va pas là-bas. Nous avons essayé, mais ça ne marche pas. Et le pasteur est descendu. Il a imposé le main. Et le mort est revenu à la vie. Oui. Nous voulons un Dieu comme ça. Le pasteur nous a prêché à quoi sert. Le pasteur nous a prêché à quoi sert d'adorer un Dieu qui ne répond pas. Que Dieu te bénisse richement. Si nous pouvons applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ. Avoir parce que comme j'avais dit ici, prêcher, tout le monde peut prêcher. Mais c'est la confirmation que nous cherchons. Est-ce qu'on est ensemble? Et le vendredi, nous étions là. J'avais introduit la prédication sur Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. C'est le prophète Branham qui a prêché cela. Dieu tient sa parole. Et c'est ce que nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons appris le mercredi, le vendredi que il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est de faillir. Donc le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui a le pouvoir d'infaillibilité. S'il dit quelque chose, il est obligé d'accomplir cela. C'est ce qui fait de lui Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Dieu accomplit ses promesses. Mais il accomplit cela à son air à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a promis, mais il accomplit cela à son heure, à son temps. Ne forcez jamais Dieu. Laissez le temps de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y tient toujours à sa parole. Les dieux que toi tu adores, les dieux que moi j'adore, tient à sa parole. Je vais lire quelques des citations. Paragraphe 48, là où nous avons lu le vendredi. Le prophète a dit ceci. Toujours dans Dieu tient sa parole. 17 avril 1957. Il dit ceci. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Y avez-vous déjà pensé à cela? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est faillir. Donc Dieu ne peut pas faillir. Il peut tout faire sauf faillir. Il ne peut pas faillir. Le prophète insiste. C'est pour que vous soyez rassurés que le Dieu que j'adore ne peut pas faillir. Il ne faillira jamais. C'est pourquoi le prophète insiste là-dessus. Il ne peut pas faillir. Alors, si notre très sainte confiance est fondée ce matin sur cet être merveilleux qui peut faire tout. Sauf faillir, combien de confiance devrions-nous avoir à sa parole éternelle? Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, le chrétien
ne peut avoir confiance qu'à la parole de Dieu. Tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'homme peut dire, c'est un échec total. C'est la parole de Dieu qui ne faillit jamais. Et nous devons avoir plus de confiance à la parole de Dieu qu'au propos des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons plus avoir plus confiance à la parole de Dieu qu'à nos propres pensées. Parce que souvent, l'homme est là pour déduire. Il fait des déductions. Il raisonne. Le raisonnement vient du diable. Un chrétien ne raisonne pas, mais un chrétien croit à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le Dieu qui a dit cette parole-là ne faillit jamais. Prenez ça comme base. Que le Dieu que j'adore a le pouvoir d'infaillibilité. C'est pourquoi, dans tout et pour tout, il y tient à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il y tient à sa parole. Et je vais lire paragraphe 65. Même prédication. Le prophète dit ceci. Oh, j'aime vraiment ça. Quand j'y pense, au moment crucial, où il n'a pas une seule minute de retard, c'est-à-dire le Dieu que nous adorons, ne vient jamais en retard. Dans n'importe quelle circonstance, il n'a même pas une minute de retard. Il n'a pas une seule minute de retard. Il est toujours juste à l'heure. Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe le problème, le Dieu que tu adores n'a pas de retard. Il est le secours qui ne manque jamais. En cas de détresse, dans n'importe quelle circonstance, où tu es en train de désespérer, il y a l'espoir quelque part. Croire à un Dieu qui n'a jamais eu de retard. Croire à un Dieu qui tient à sa parole. Croire à un Dieu qui a le pouvoir d'infaillibilité. Et mettez votre confiance à ce Dieu-là. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit ceci. Si seulement nous pouvons être comme ça, oh nous, nous essayons de dévancer la chose. Quand un problème t'arrive, tu essaies à dévancer cela. C'est-à-dire à chercher une solution selon toi. À se donner des illusions. Ne dévancez pas Dieu. Soyez simplement tranquille. Ayez confiance en ce Dieu-là. Il va réagir. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, nous essayons de le faire accomplir à notre heure. Est-ce qu'on est ensemble? Nous essayons d'accomplir la chose à notre heure. Oh, comme j'ai demandé le mariage, je veux que ça soit dans cette année ici. Oh, j'ai demandé le travail, il faut que ça soit dans tel jour. C'est bon, mais il faut laisser le temps de Dieu et avoir plus confiance en Dieu et le tenir dans sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons dit le mercredi, ce qui est écrit dans l'église ici par exemple, tout est possible à celui qui croit. C'est Marc 9:23. C'est la parole de Dieu. Et cette écriture a le pouvoir d'infaillibilité.
Ne contemplons pas simplement parce qu'on est écrit dans le mire. Mais nous devons exercer la foi par rapport à cette écriture. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dis Seigneur, tu nous as dit dans Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Moi je crois. Je veux que ceci arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois comment tu coinces Dieu dans sa parole? Et quand vous les tenez comme ça dans sa parole, il devient le tout faible. Parce qu'il est obligé d'accomplir cela. Et on est ensemble. Mais quand vous êtes là en train de flotter par-ci par-là, tu ne sais même pas comment parler à ton Dieu. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il a dit, on est écrit quelque part ici encore, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. C'est la parole de Dieu, non? Cette parole ne faillit jamais. N'importe quelle situation, vous devez vous tenir calme, tranquille, et parler à ton Dieu. Et vous saurez réellement qu'il est Dieu, parce qu'il va répondre. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète dit ceci: nous essayons de défoncer la chose. Nous essayons de les faire s'accomplir à notre heure. Mais nous ne pourrons jamais faire ça. Dieu le fait, s'accomplit à son heure, à lui. Nous ne pouvons rien y changer. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas changer ça. Il faut laisser cela entre les mains de Dieu. Mais lui tenir dans sa parole. Lui qui n'a jamais eu de retard. Il est toujours présent. Peu importe le problème. Il est présent. Il est le secours. Il ne manque jamais. Il est le secours. Il ne manque jamais. Peu importe le problème, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Mais nous remarquons que là où nous venons de lire, Dieu a promis aux enfants d'Israël un pays où coule le lin et le miel. Ils ont fait leur marche et ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ils ont envoyé des espions pour aller voir le pays. Ils ont envoyé 12. Mais parmi les 12, 10 sont revenus et 10 sont revenus avec le découragement. 10 sont devenus avec le découragement. Ils ont dit, là où nous sommes allés, il y a les enfants d'Anak, les géants, le mur sont fortifiés. Nous ne pouvons pas accéder à ce pays-là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ils sont revenus avec le découragement. Ils ont regardé à l'aspect externe. Au lieu de regarder à la parole de Dieu qui ne faillit jamais. Et deux sont venus. Descendit non. Josué et Caleb. Ils ont dit non. Nous allons posséder le pays. Nous allons posséder le pays. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays-là. Est-ce qu'on est ensemble? Lui n'a pas, ils n'ont pas regardé à l'aspect externe. Mais ils ont regardé à la parole de Dieu. Ils ont regardé aux promesses de Dieu. Parce que Dieu leur avait dit que vous possédez ce pays-là. Pour eux, c'est fini. C'est réglé. C'est comme ça qu'il devait être un chrétien. Quand Dieu te promet quelque chose, pour toi c'est fini. C'est réglé. Parce que c'est Dieu qui a promis cela. Et on est ensemble. Ne regardez pas à l'aspect extérieur. Oh, la maladie ici, j'ai fait avec cette maladie 10 ans. J'ai fait avec ce problème 15 ans sans solution. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Voilà la souche que nous devons nous poser. Nous devons nous poser là-dessus.
Parce que Dieu a dit, et cela règle la chose. Josué et Caleb, ils ont dit, nous allons posséder les pays. Nous allons posséder les pays. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cela. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que Dieu t'a promis, ma soeur, mon frère, le Seigneur l'accomplira. Il t'a connu dès avant la fondation du monde. Il t'a prédestiné à croire à son message. Il a commencé l'œuvre à toi. Il achèvera cela. Et un jour, tel qu'il est, tel que toi tu seras. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là où nous devons nous poser. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Alors que j'étais dans le vie de vie de péché. Toi, tu m'as envoyé cette lettre d'amour pour me retirer de là et pour poser mes pieds sur les rocs qui est le message du temps de la fin. Je sais qu'un jour, je te verrai. Parce que tu es un produit destiné pour l'enlèvement. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Dieu était prêt. Est-ce qu'on est ensemble? Mes enfants d'Israël n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Oh, que Dieu nous aide. Je fais un pas en arrière. Nous lisons paragraphe 72. Même prédication. Dieu tient sa parole. Le prophète a dit ceci. Israël n'était pas prêt. Mais Dieu était prêt. Il avait fait naître un petit bébé du nom de Moïse. Et il était sur le lieu à l'âge de 40 ans pour faire sortir les enfants d'Israël. Mais Israël n'était pas prêt. Et parce qu'il n'était pas prêt, c'est pour cette raison qu'ils ont dit peiné. Plus pendant 40 ans de plus. Est-ce qu'on est ensemble? En Égypte. Alors qu'ils auraient pu sortir 40 ans plus tôt. Ils n'avaient pas simplement été prêts. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, est-ce que tu es prêt pour recevoir ta promesse? Dieu t'a promis quelque chose. Est-ce que tu es prêt pour recevoir cela? Les enfants d'Israël n'étaient pas prêts. Alors que Dieu leur avait envoyé des gens un libérateur, mais ils étaient dans la distraction en Égypte. Ils n'étaient pas prêts, mon frère, ma sœur. Ce matin, vous et moi, est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Parce que Dieu nous a promis quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que nous remarquons parmi nous? Au lieu de s'accrocher à la promesse de Dieu, nous descendons très bas. Pas de murmures, de critiques, de jalousies inutiles. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui bloque encore votre bénédiction. C'est ce qui bloque encore votre. Que vous puissiez obtenir votre promesse. C'est parce que tu n'es pas prêt. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre est prêt pour te secourir. Il était prêt pour faire l'enfant d'Israël en Égypte. Est-ce qu'on est ensemble? Soyons prêts, mon frère, ma soeur. Paragraphe 73, il dit ceci. Dieu était prêt parce que le temps de la promesse approchait. Dieu envoya un ange sur la terre pour préparer les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu était prêt parce que pour Dieu, il ne regardait que le nombre d'années. Arrivé à peu près vers 400 ans, il a déjà envoyé un prophète. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi dans ces temps que nous vivons, Dieu nous a promis qu'il reviendra pour nous chercher. Nous sommes en train d'être préparés pour l'enlèvement. Il nous a déjà envoyé un messager. Est-ce qu'on est ensemble? Pour nous préparer à cet événement-là. Ne sois
soyons pas distraits. Soyons simplement connectés à la chose de Dieu. Soyons connectés à ce message. Parce qu'à très bientôt, nous allons rentrer chez nous. Et sonnez ensemble. Ne soyez pas distraits, mon frère, ma soeur. Le prophète dit ceci. Il a envoyé un ange sur la terre pour préparer les gens, pour accomplir sa parole. Car Dieu tient toujours à sa parole. Et sonnez ensemble. Quand Dieu promet, il accomplit. Il a accompli, mon frère, ma soeur. Il a promis, hein. Que l'enlèvement aura lieu. Et il a envoyé le message. Le prophète William Branham pour nous préparer avec ce message, pour que nous puissions le rencontrer dans l'air. Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts? Quittons cette vie-là de critiques inutiles. De jalousies inutiles, mon frère. Tu parles quelque chose que tu n'as même pas d'information. Tu n'es même pas sûr de cela. Tu vas te propager cela. Tu parles de cela. Tu vas rater l'enlèvement. Restons ensemble. Parce que le message est déjà là. C'est ce message qui nous prépare. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Pour préparer les gens pour accomplir sa parole. Car Dieu tient toujours la parole. Il a dit à Moïse, je vis les souffrances de mon peuple. J'ai attendu le gémissement qui le font que le gémissement et les cris qui les font pousser les oppresseurs. Je me suis souvenu de ma parole, de ma promesse. Et on est ensemble. Dieu se souvient toujours. Peu importe le nombre d'années que cela peut prendre, mais Dieu se souvient toujours à sa promesse. Et on est ensemble. Réveillons-nous, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a promis l'enlèvement. Il n'oubliera jamais cela. Un jour nous serons enlevés. Mais celui qui sera enlevé, c'est celui qui observe ce message. C'est celui qui vit selon ce message. C'est celui qui abandonne une vie de péché. C'est celui qui marche avec cette parole. C'est celui qui a confiance rien qu'à la parole de Dieu. À ce message. Parce que oh, ce message, il n'y a pas la vie. L'unique voie que Dieu a prévue, c'est à travers ce message. Et on est ensemble. Réveillons-nous, mon frère, ma soeur, parce que Dieu tient toujours à sa parole. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit ceci. Ils étaient passés 14 ans. Mais Dieu s'est souvenu toujours à sa parole. Il n'avait pas oublié les enfants d'Israël en Égypte. Oh, que Dieu nous aide à compenser. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Oh, que Dieu nous aide. Nous bloquons souvent nos bénédictions. En rapport avec notre comportement. Vous voulez que Dieu te bénisse. Mais quelle est la vie que tu es en train de mener? Vous voulez que Dieu te bénisse. Mais quelle vie vous êtes en train de mener, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu ne peut bénir quelqu'un que quand il est dans sa parole, dans le pays. Et on est ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il nous a dit que nous devons être ses témoins. Et nous sommes en train de témoigner Dieu dans nos vies, au quartier là où nous vivons, au travail là où nous sommes. Et c'est réellement, on est le témoin de Jésus. Frères et sœurs, soyons prêts. Soyons prêts, s'il vous plaît. Soyons prêts. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu tient toujours sa parole. Nous devons nous abandonner de tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons nous abandonner de notre incrédulité. Nous devons nous abandonner tout ce qui n'appartient pas en Dieu. Et se confier quand ce Dieu, Dieu sait. Parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre.
Et c'est celui qui va achever cela. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il demande que nous puissions abandonner cela. Il veut qu'on abandonne cela, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous devons abandonner. Devons abandonner notre vie à Dieu. Bon, mon absence, on va tout perdre. On va mourir pendant la Zambie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Zambie, son absence, ce sera ma gamboye. L'abandon total, mon frère, ma sœur. Comme il pèse, ça mourir pendant Bandeko. L'abandon total, mon frère, ma sœur. Bandeko, comme il pèse, ça mourir pendant. J'ai lu paragraphe 455. Quand on est tout mis dans la mitano. 445, mon frère. Tout comme on est tout mis dans la mitano. Les signes. Na l'idée à Elembo. Paragraphe 455. Quand on est tout mis dans la mitano. Écoutez. Yoka. Le prophète a dit ceci. Maintenant, en toute douceur, humblement de tout votre cœur et du plus profond de vous-même, acceptez-les simplement. Et dites, Seigneur Jésus, à l'instant même, prends simplement tout ce qui est à moi. À l'instant même, Seigneur, prends simplement tout ce qui est à moi. Prends simplement tout ce qui est à moi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Tout ce qui est à moi et qui n'est pas conforme à toi. Et tout ce qui est à moi et qui n'est pas conforme à toi. Laissez-moi me débarrasser de tout mon orgueil. Et de tout ce qui est à moi, tout ce qui est sans valeur, tout mon incrédulité, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Seigneur, je mets tout cela dehors. Et laisse-le tout cet esprit de Dieu, telle une colombe, descendre en moi. Et sont dit ensemble. Je renonce tout cela. Parce que je fais que ce jour-là ne puisse être à côté de tout. Mon colonne a permis na yo. Il dit maintenant, à tout douceur, emblème et de tout mon cœur, et du plus profond de vous-même, frères et sœurs en Christ, acceptez-le simplement. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, à l'instant même, pas demain, pas après demain, à l'instant même, à l'instant même. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. À l'instant même, prends simplement tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, qui n'est pas conforme à toi. Vous savez ce qui est en toi, qui n'est pas conforme à Dieu. Vous le savez, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu tient toujours à sa parole. Il a promis l'enlèvement et cela arrivera. Et sont nés ensemble. Qui n'est pas conforme à toi, laissez-moi me débarrasser de tout cela, de tout mon orgueil. L'orgueil n'est pas conforme à Dieu. Un enfant de Dieu orgueilleux. Dans quel ciel toi tu iras? Mon frère, ma soeur. L'orgueil. L'orgueil. La jalousie. Tout ce qui est à moi. Et ce qui est tout, qui est sans valeur. Quel est ton orgueil là, à quelle valeur devant Dieu? La jalousie que toi tu as là, à quelle valeur devant Dieu? Et sont ensemble. Nous devons nous dépouiller de tout cela. Parce qu'à très bientôt, le Seigneur va accomplir sa parole. Oh, que Dieu nous aide. Aide tout ce qui est à moi. Tout ce qui est sans valeur, tout mon incrédulité, un enfant de Dieu qui est incrédible, qui résonne à la parole de Dieu, qui déduit la parole de Dieu, qui tire les conclusions lui-même. Tu parles des choses que vous ne comprenez même pas. Le passé n'a pas encore parlé ici à la chair. Vous êtes en train de parler de tout ça. C'est l'incrédulité, mon frère. Je renonce à ça.
cela. Seigneur, je mets tout cela dehors. L'orgueil, la jalousie, l'inimitié, tout cela vous mettez dehors. Une vie de commérage, une vie de prostitution, une vie de méchanceté. Mettez tout cela dehors. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Je mets tout cela dehors. Je mets tout cela dehors. Et laisse le doux Saint-Esprit dédié, telle est une colombe, descend dans moi. Descend dans moi. Je désire vivre éternellement. Parce qu'avec l'orgueil, tu ne vivras pas éternellement. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je désire vivre éternellement, Seigneur. Et je demande ton secours. Parce que l'homme, c'est un échec. Tu peux prendre une décision aujourd'hui, mais tu reviendras à cela. La meilleure chose, c'est s'abandonner à Dieu et demander secours à ce Dieu-là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Je demande secours à ce moment. Accorde-le maintenant, Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Que chacun de nous ce matin ne sorte pas avec ces histoires-là. S'il y a un peuple qui se prépare pour l'enlèvement, c'est vous et moi. S'il y a un peuple qui attend l'enlèvement, c'est vous et moi. S'il y a un peuple qui a reçu la parole de Dieu dans ces terres de ce temps ici, c'est vous et moi. Nous avons reçu la lettre d'amour et tout ce qui était caché au cours des âges, Dieu nous a révélé pour nous préparer à l'enlèvement. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, soyons prêts aujourd'hui. Soyons prêts aujourd'hui. Ne sortez pas avec ces choses-là, parce que ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Vous risquez, tout en étant dans la vérité, et rater l'enlèvement. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des catastrophes naturelles partout. Vous voyez cela aux États-Unis. Catastrophe naturelle tout le temps. Ce sont les signaux rouges de sa venue. Et on est ensemble. Faut pas hypothéquer le salut que toi tu as aux choses de ce monde ici. Et on est ensemble. N'hypothéquez jamais cela. Il faut abandonner cela. Il faut faire sortir cela. Par quelle voie? Par la confession. Reconnaître que Seigneur, je suis coupable. Seigneur, je suis coupable. Seigneur, je suis coupable. Mais toi, celui qui a payé le prix, tu as versé le sang à cause de moi. Regarde-moi, Seigneur, à travers le sang que toi tu as versé. Regarde-moi, Seigneur, à travers l'œuvre du calvaire. Parce que tu es le Dieu qui accomplit toujours sa parole. Tu es le Dieu qui tient toujours à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il a dit, quand il créait, dans Genèse 1, Dieu tient toute sa parole. Il dit ceci. Dieu dit 1, 2, 3, il dit ceci. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que Dieu tient à sa parole. Quand il dit quelque chose, il accomplit cela. Oh, mon frère, ma soeur, abandonne-nous entre le mains de Dieu. De ce Dieu-là, il ne faillit jamais. Il n'abandonne jamais. Il est le secours qui ne manque jamais. Oh,
En camp de détresse. En camp de détresse. Paragraphe 73. Même prédication. Il dit ceci. Maintenant, si vous remarquez, il a dit ce qui arriva au jour de Noé, au jour de Noé, avant le déluge, c'est comme ça que ça serait. Et Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais il voulait que tout arrive à la repentance. Alors il a usé de beaucoup de patience. Restons ensemble. Au jour de Noé, la déluge allait déjà avoir lieu. Mais Dieu avait usé un peu de patience pour que personne ne périsse, pour que tout soit amené à la repentance. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit ceci, c'est comme ça que ça serait. Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais il voulait que tout arrive à la repentance. Alors, il a usé beaucoup de patience. L'étape de déluge aurait dû avoir bien lié en avant. Là en Égypte, ça aurait dû avoir lieu bien avant. Vous saisissez la destruction en la destruction antédiluvienne. Là aurait dû avoir lieu bien avant. La destruction par le jugement. La sortie de l'Égypte, elle aurait avoir bien lieu en avant. Il y a eu un délai de grâce. Il est de l'ordre de 400 ans que Dieu a accordé. Frères et sœurs en Christ, ce que Dieu avait fait à ce temps-là, il est en train de le faire aussi aujourd'hui. L'enlèvement de l'épouse aurait déjà eu lieu. Mais si le Seigneur tarde à venir, c'est à cause de vous et moi, pour que nous soyons ramenés à la repentance, parce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Et on est ensemble. Mais la grâce que Dieu nous donne, c'est ce souffle de vie ici. Et on est ensemble. Quand nous écoutons cette parole, c'est la grâce que Dieu nous aide. N'endoucissez pas votre cœur. Ramène-vous à la repentance. Répentez-vous sincèrement. Parce qu'à très bientôt, le Seigneur reviendra. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Barouti tabernacle. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Oh, que Dieu nous aide. Parce que tout ce que Dieu avait prédit est accompli. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Est accompli, mon frère, ma soeur. Dieu tient toujours à sa parole. Nous lisons paragraphe 78. Mais Dieu était déterminé. Dieu était déterminé à ce que sa parole ne revient pas à lui. Il allait tenir sa parole. Au temps de Noé, Dieu allait tenir sa parole. Au temps de l'autre, Dieu allait tenir sa parole. À ce temps que nous vivons, Dieu va tenir sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Il va tenir sa parole. Il va tenir sa parole. Il doit faire ça. Il doit le faire pour être Dieu. Même s'il doit faire un changement intégral, par sa grâce, il le fera. Dieu tiendra toujours à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il nous a envoyé la lettre d'amour pour nous préparer. C'est ce message ici. Paragraphe 79, il dit ceci. Il dit ceci. C'est pour cette raison que j'ai dit, l'Église ne se préparera pas. L'église ne se prépare pas. Et si on est ensemble, l'église ne se prépare pas, mon frère, ma soeur. Il est de votre devoir de vous préparer. L'individu, mon frère, ma soeur, de vous préparer. L'épouse s'est préparée. Est-ce qu'on est ensemble? Les vêtements sont payés.
Les vêtements sont payés. Ils y sont prêts. Mais vous devez être prêt pour porter ce vêtement. Église Ecclesia se prépare. Est-ce qu'on est ensemble? Le vêtement, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Nous devons nous préparer pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir accès à la noce. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit est le vêtement que Jésus-Christ nous a envoyé, et nous devons nous préparer pour te vêtir du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous n'irez pas à l'enlèvement. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Soyons prêts pour porter le vêtement qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous a promis cela. C'est Dieu qui nous a envoyé cela. Quand vous désirez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient. Mais le problème, c'est quoi? Il faut une préparation. Il faut une préparation. Il faut une repentance sincère. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut se dépouiller, s'abandonner entre les mains de Dieu pour avoir le vêtement de noces. Dieu tient toujours à sa parole. Il tient toujours à sa parole. Le péché ne sera jamais impuni, ne restera jamais impuni. Le péché ne restera jamais impuni. Le péché au temps de Noé était puni. Le péché au temps de Noé était puni. Et le péché au temps de la fée ne restera pas impuni, mon frère. Et sonnez ensemble. Je lis paragraphe 60. Même prédication, Dieu tient sa parole. Je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le prophète qui dit cela. Il dit, je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni. Qui se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu, le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Est-ce qu'on est ensemble? Que le péché soit dans une nation, dans l'église, dans un foyer, dans un individu, le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Il n'y a pas un autre moyen. Il ne peut pas être expié. Dire que j'ai mal agi, maintenant je vais agir comme il faut. Ce n'est pas ça. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez faire l'expiation vous-même, mon frère, ma soeur. Ça ne marchera pas. Vous pouvez faire l'expiation vous-même. Parce que l'expiation a déjà été faite. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est venu payer le prix de nos péchés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le péché soit expié. 61, il dit ceci. Il faut confesser que vous avez tort. Il faut d'abord reconnaître le péché. Il faut reconnaître votre culpabilité. Que j'ai tort. C'est le paragraphe 61. Il faut reconnaître que vous avez tort. Et ensuite, venir marcher droit. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez commencer par reconnaître que j'ai tort. Je me suis mal comporté. Je n'ai pas marché comme un chrétien. Vous regrettez de cela. Et alors vous vous repentez. Et vous allez marcher droit. Est-ce qu'on est ensemble? Le péché ne restera pas impuni. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais Jésus-Christ a payé le prix de ce péché-là. Paragraphe 62. Le prophète dit ceci. Donc, de mesures doivent être prises à l'égard du péché.
Et Dieu répond toujours au péché par le jugement. Bongo, bon amazumu ndambe apesaka tumunyo tongo yoso. Voilà pourquoi. Dalatina. Voilà pourquoi. Dalatina. Notre Seigneur. Kolo nabiso. Jésus a connu cette mort là au calvaire. Akufaki motindo ona ne kulusu. C'était à cause de toi mon frère. Lepona yonde. C'était à cause de toi ma sœur. Lepona yonde kwanga mochi. Que Jésus-Christ a connu cette mort là au calvaire. Yesu akufaki motindo ona ne kulusu. Il a payé le prix de tes péchés. Afuta yongo amazumu na yo. Il a payé le prix de tes péchés au double. Afuta yongo amazumu na mbala mi bale. Et vous devez accepter cela. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus a connu cette mort-là au calvaire. C'est parce que le péché, c'était quelque chose de si horrible que le jugement du péché. Que le jugement du péché a été sur lui. Afin que ceux qui le désirent puissent être mis à liberté. Est-ce que vous comprenez cela? C'est lui qui désire le Seigneur Jésus-Christ. Qui croit le Seigneur Jésus-Christ est libre. Il est libre de péché. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, il domine le péché parce qu'il a la vie de Jésus-Christ en lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut désirer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut désirer cela. Oh, que Dieu nous aide. Il dit ceci, est libre. En croyant en lui, à l'acceptant comme leur barrière pour le péché. Vous devez accepter Seigneur Jésus-Christ comme le barrière de vos péchés. Est-ce qu'on est ensemble? En croyant comme le barrière de ce péché, ça ne dépend pas de combien nous pouvons être bons. Mais de ce que nous ni de ce que nous sommes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais de ce que nous le croyons et l'acceptons. C'est que ça ne dépend pas de ce que toi tu es bon, mais ça dépend comment toi tu l'acceptes et tu le crois. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire à lui pour que vous puissiez dominer le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il entre, quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur et c'est cette partie-là qui fait très bon. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il accepte dans votre cœur, il entre dans votre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est la partie la plus importante. Là, ça ne sera plus toi qui vis, ça sera Christ qui vit en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Et les choses que tu trouvais difficiles sont devenues faciles. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Christ qui vit en toi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Nous pouvons faire ce que lui a fait. Il a fait. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est pourquoi il a été blessé pour notre agression et brisé pour nos iniquités. Et les sentiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et sonné ensemble. Les sentiments qui donnent la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui a payé le prix. Nous devons lui accepter. Et nous devons nous abandonner entre ses mains. Et accepter qu'il puisse entrer dans notre cœur. Dans chacun de nos cœurs et il va conduire chaque avancement de ton pas. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le plus beau entre 10 000 pour mon âme. C'est lui qui a payé le prix de tes péchés, mon frère. Mais Dieu tient toujours à sa parole. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu dit dans Psaume 3, il dit, je suis l'éternel Dieu,
qui vous guérit de toutes vos maladies. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Dieu tient toujours sa parole. Il tient toujours sa parole, mon frère, ma soeur. Nous lisons paragraphe 284. Le prophète dit ceci. N'ayez pas peur. Il a dit, c'est sa promesse à lui. N'ayez pas peur. C'est sa promesse à lui. Ce n'est pas le frère Branham qui nous promet cela. C'est sa promesse à lui. Il a dit quoi? Je suis l'Éternel qui guérit de toute maladie. C'est lui qui a promis cela, mon frère, ma soeur. Il y tient à sa parole. Il a dit ceci. Si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'église, ils ont besoin de l'huile et prient pour eux, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Ça, c'est sa parole. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est lui qui a dit cela. Il tient à sa parole. Alors il dit, s'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous donne à comprendre ces choses. C'est Dieu qui a promis cela, ma foi, ma soeur. Quand on t'impose les mains, soyez sûr que toi, tu es guéri. Ensuite, une fois fait ça, donc acceptez simplement que cela a été accompli. Alors acceptez exactement cela. Vous feriez que cela est accompli. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez être sûr quand on te pose les mains. Parce que c'est Dieu qui a promis cela. Ce n'est pas la promesse d'un homme. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu tient sa parole. Il a promis. Il réalise. Peu importe la promesse qu'il a faite. Peu importe le temps que cela peut prendre. Il lui tiendra toujours à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? 279. Il dit, qui est le guérisseur? Le prophète dit, oh, c'est Dieu qui est le guérisseur. C'est Dieu qui guérit toute maladie. Et c'est lui qui a promis cela. Dans 262, il dit ceci. Pensez donc à ça. Tout est guérison. Et d'une guérison divine. C'est Dieu qui a de sa façon de procéder. Même si on doit administrer, on te donne des produits pharmaceutiques. C'est Dieu qui te guérit toujours. Et si on est ensemble, oh que Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu nous a promis qu'il reviendra pour nous chercher. Cette promesse est la vérité. Dans Jean chapitre 14, 1-3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est lui qui a promis cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, vous êtes un peuple prédestiné pour l'enlèvement. C'est celui qui vous a promis, vous devez vous accrocher à cela. Que le Seigneur Jésus, tu m'as promis qu'un jour je serai à tes côtés. Je sais que quand toi tu promets, cela doit s'accomplir. Alors un jour je serai à tes côtés. Oh que Dieu nous aide. Parce que quand tu promets, il réalise. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il réalise, mon frère, ma soeur. Il réalise. Oh, que Dieu nous aide. Il réalise. Paragraphe 73. Il dit ceci.
Je pourrais m'arrêter ici juste pour dire. Que... Vous pouvez me citer. Je saute un peu. Je crois que. Ok, je saute encore. La venue du Seigneur Jésus-Christ aura dit avoir lié. Il y a bien longtemps. Est-ce qu'on est ensemble? L'avenir du Seigneur de Christ aurait avoir lié bien longtemps. Je crois que cela aurait avoir lié bien longtemps. Il y a longtemps. Mais c'est à cause de l'Église qui n'est pas prêt à le rencontrer. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est déjà venu nous chercher. Mais c'est l'Église qui n'est pas encore prêt pour le raconter. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est pourquoi, Église, nous devons nous préparer et nous devons nous préparer jour et nuit. Revoir notre façon de marcher, chercher quel est le problème qui nous dérange encore pour arranger cela, pour manifester Christ, parce que la nature même est soupire de voir cette manifestation là. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Nous avons reçu suffisamment la parole de Dieu. Nous avons un passé qui nous enseigne suffisamment. Nous voyons Dieu se manifester en parole et en puissance. Mais pourquoi nous ne sommes pas encore prêts? Pourquoi nous descendons encore très bas? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Paragraphe 74, il dit ceci. Il s'est passé presque 2000 ans. Mais Dieu se souvient toujours de sa parole. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je crois que c'est le temps, le temps de la promesse s'approche. Est-ce qu'on est ensemble? Le temps de la promesse s'approche. C'est pourquoi nous sommes en train de voir dans ce monde ici. Nous voyons des guerres, des bruits de guerre, les catastrophes naturelles. C'est le signal rouge. C'est le temps de l'enlèvement qui s'approche. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous vivons les derniers jours de l'histoire de l'Église. Le temps que nous vivons, mon frère, ma soeur, c'est le dernier jour de l'histoire de l'Église. C'est pourquoi il nous est demandé à une préparation. Être sérieux. Observer réellement ta vie. Observer réellement ma vie. Comment je suis en train de marcher. Parce que le temps que nous vivons, nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous vivons le dernier jour de l'histoire de l'Église. Nous lisons paragraphe 88-89. Moi, j'aime beaucoup lire les prophètes, hein, parce que c'est lui la bouche autorisée. Le prophète dit ceci. Mais nous voulons nous arrêter à un niveau de credo d'Église. Et rester là. Alors que Dieu veut que nous développions la parole. Nous voulons rester à un certain credo. Oh, nous devons développer avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons développer avec la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Nous vivons au dernier jour. Nous vivons au temps où la magnifique Église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissante, comme les lui de la vallée. C'est le temps que nous vivons. On devrait voir la véritable Église de Dieu vivant. On devrait avoir de véritables sœurs en Christ, de véritables frères en Christ, qui reflètent Christ dans leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, mon frère. C'est le temps où nous devons vivre. C'est le temps où nous sommes en train de vivre, mon frère, ma soeur. Le temps où nous devons avoir des sœurs en Christ, des frères en Christ, l'Église de Dieu, la liste de la vallée.
Son odeur est en train de marcher partout. Partout où nous vivons, qu'on voit réellement que c'est un chrétien ou une chrétienne qui a reçu le message dans tout et pour tout. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il y a toujours des critiques parmi nous. Il y a toujours les ondits parmi nous. Frères et sœurs, nous devons progresser avec la parole de Dieu. Nous devons progresser avec la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Resplendissante comme le lui de la vallée, qui fait sortir son odeur. Oh, que Dieu nous aide. Quittons la basse courte, mon frère. Vivons à la hauteur de nos privilèges. Le Seigneur demandera à ceux qu'il a donné beaucoup. Il en demandera aussi beaucoup. Cette église a reçu beaucoup. Nous avons reçu un puissant pasteur qui manifeste Dieu dans tout et pour tout. Nous voyons les actes des apôtres. Nous voyons Dieu se manifester en parole et en puissance. Mais pourquoi on ne change pas? Pourquoi des critiques parmi nous? Frères et sœurs, nous vivons au temps de la fin. Oh, que Dieu nous aide. Nous devons marcher de gloire en gloire, de baptême en baptême, de révélation en révélation. Il ne faut pas se bloquer quelque part. Au paragraphe 91, le prophète dit ceci, même prédication. Nous devrions nous développer avec l'Esprit de Dieu. Coulant en flanc chez nous. Coulant en flanc. Pas juste une petite effusion. Pas rien qu'un petit baptême. Mais des baptêmes à baptême. Pas une révélation. Juste, les justes vivra par la foi. Ou la sanctification. Ou les dons de l'Esprit. Mais de révélation à révélation. Où est-ce qu'on est ensemble? Des révélations en révélations. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Des révélations en révélations. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Mais pas un credo. Mais nous devons progresser. Est-ce qu'on est ensemble? Pas un credo, nous devons de révélation en révélation. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous devions être au bout de la route. Prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans ces veilleries en disant, eh bien, nous retournons toujours en arrière. Avançons. Baruti tabernacle. Avançons. De révélation en révélation. De gloire en gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Du baptême en baptême. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Baou tabernacle, avançons. Avançons, mon frère, ma soeur. Avançons. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 94. Paragraphe 94. Il dit ceci. Oh, béni soit le nom. Béni soit son nom. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les dispensations changent. Les temps changent. Les gens changent. Mais Dieu demeure. Il doit être le même. Tous les temps, sa parole est la vérité éternelle. Il n'est pas un Dieu. Il ne peut pas dévier en droite ni à gauche. Mais il demeure le même Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens
peuvent passer. Les dissensions peuvent passer. Mais l'Esprit de Dieu est le même. Le Dieu qui a travaillé avec William Branham continue à travailler aujourd'hui. Branham est mort. Mais le message continue. Dieu travaille avec ses serviteurs. Et on est ensemble. Et chaque serviteur sait qui il est. Et on est ensemble. Chaque serviteur sait qui il est. Et on est ensemble. Si quelqu'un vous dit que je suis tel, ne doutez pas à cela. Le révérend Bokou nous dit que il continue avec ce message. Et nous voyons cela. On n'a pas à discuter, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous voyons les dieux de Branham travailler avec lui. Comme il travaillait avec le prophète de Branham. Est-ce qu'il y a des questions à se poser là-dessus? Est-ce qu'il y a une question à se poser là-dessus? Relève. C'est continuer le travail, non? Et on est ensemble. C'est continuer le travail. C'est ça, relever quelqu'un. Et on est ensemble. Mais nous voyons que William Branham est parti. Son esprit continue à travailler. L'esprit de Dieu cohabite avec lui, continue à travailler. Et si on est ensemble, c'est pourquoi nous voyons des grandes campagnes d'évangélisation. Quelqu'un se tient vous dire que aujourd'hui, vous verrez les aveugles voir, vous verrez les paralytiques marcher, vous verrez les gens venir en Christ. Et Dieu descend et il confirme ça. C'est pour montrer que ce message est en train d'être continué. Et il y a quelqu'un qui doit aussi manifester cela. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a une question à se poser là-dessus? Chaque serviteur de Dieu sait qui il est. Il demande à Moïse, il va te dire qui il est. À Jean-Baptiste, il te dira qui il est. Et chaque serviteur de Dieu sait qui il est. Parce que c'est Dieu qui lui a commissionné. Est-ce qu'on est ensemble? Baruti Tabernacle. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Nous devons remercier Dieu pour cet homme qui nous a donné. Un serviteur de Dieu qui continue avec ce message. D'où nous voyons les signes et les prodiges lui accompagner. Et sonner ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Quelqu'un peut se dire, non, moi j'avais reçu trois clés. Il est le seul qui a reçu trois clés. Dans cet âge ici. C'était à quelle époque? Dieu voulait lui montrer que son travail à lui est différent de notre. C'est ça, mon frère. C'est différent. Moi je peux prêcher. Toi tu peux prêcher. Mais c'est différent. C'est différent, frère. C'est différent. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. On n'a pas de confusion ici. On n'a pas la confiance dans cette église. Et nous remercions Dieu pour cela. C'est pourquoi nous disons, Baruch du Tabernacle, avancez de révélation en révélation. Du baptême au baptême. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Merci Dieu, merci le Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire quelque part, paragraphe 93. La révélation est individuelle. C'est individuel. C'est Moïse qui était avec Dieu. C'est Moïse qui était avec Dieu. Et c'est Moïse qui vous dira, voilà ce que Dieu m'a dit. C'est tout, non? Et Dieu a posé la question à Moïse, pourquoi Dieu t'a dit non? C'est individuel. Paragraphe 93, il dit ceci. Mais Moïse avait une révélation. Il avait été dans la présence de Dieu. Seul lui.
à la présence de Dieu. Il avait quelque chose d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Il est retourné. Il a montré que Dieu, le même Dieu, il est retourné. Il a montré que les dieux même qui avaient existé, bien des centaines d'années auparavant, étaient toujours le même Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse était avec Dieu et il est rentré leur dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu-là qui était auparavant et le même aux yeux aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Même Dieu aujourd'hui, le même Dieu. Il a opéré des signes et des prodiges devant eux pour prouver qu'il était toujours le même Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Oh, que Dieu soit loué! Les dieux qui travaillent avec le révérend Baruch Kassongo, le dieu de Branham, le dieu de Paul, est le même dieu aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons ces miracles, ces prodiges, pour confirmer qu'il est le même dieu. Il est le dieu au temps présent. Il a travaillé avec Branham et il travaille aussi avec nous au temps présent. Mais c'est le même Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il est le Dieu qui est au temps présent. Je lis paragraphe 169. Il dit ceci. Dieu l'avait envoyé. Il avait dit, dis-leur que je suis envoyé. Non pas le j'ai été. Où le je serai, je suis au temps présent. Il n'est pas le je t'ai, mais il est le je suis. Si toi tu adores un Dieu qui était, ou un Dieu qui sera, mais nous adorons un Dieu qui est. Le je suis. Le même Dieu là, qui a travaillé avec Branham, celui qui travaille avec le pasteur Baruti, il est le Dieu présent. Et il est présent maintenant, mon frère. Il peut te répondre à votre problème. Il peut te répondre à votre difficulté. Il peut t'accorder la solution à ton problème. Il ne regarde pas le temps que cela a pris. Il ne regarde pas combien de temps ça a pris. Mais il est le Dieu au temps présent. Oh, que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, tu sortiras avec ta solution. Si tu crois réellement que le Dieu que tu adores a le pouvoir d'infaillibilité, que le Dieu que tu adores qui est sa parole, que le Dieu que tu adores est le Dieu au temps présent, si tu le crois sincèrement, tu sortiras avec une solution. Parce que c'est telle que je suis en train de parler là. Il est ici. Il est là. Il est ici, mon frère. Il est là. Le prophète dit ceci. Pourquoi? Il est l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel. Amen. Amen, amen. Le prophète Badam est tapé trois fois dans ce mur. Il habite la lumière. Il habite l'éternité. Il habite l'immortalité. Il est éternel. Le je suis. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est le je suis. Il n'est pas le jeté. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mon frère, ma soeur. Mais dans notre marche, l'ère de test arrive toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on est enfant de Dieu. Nous devons être testés. Nous devons être éprouvés. Pour nous donner un caractère. Parce que quand il passe par le test, il y aura des mots à dire à ce Dieu-là. Quand le prochain épreuve arrivera, il va lui dire, qui est le Dieu qui m'avait aidé dans telle situation, aujourd'hui
tu les feras aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, applaudissons pour le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Les épreuves arrivent toujours. Il dit paragraphe 115, il dit ceci. Dans le Bible. À ce moment-là, ils sont arrivés au point de Kadesh Barnéa. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, c'était le tribunal où les épreuves devaient se régler. Est-ce qu'on est ensemble? Les enfants d'Israël ont marché avec Dieu. Ils ont vu la mer puissante de Dieu. Ils ont traversé la mer rouge en sec. Ils ont mangé les cailles dans le désert. Ils ont vu le serpent des reins. Ils ont été guéris par Dieu. Mais ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. L'ère de test. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Kadesh Barnéa, mon frère, ma sœur. C'est là où le test. Le jugement devait se faire. Écoutez ceci. Paragraphe 116, il dit ceci. Oh, si seulement vous pourriez comprendre ça, petite église, maintenant, c'est ici que nous voulons serrer un peu pendant un petit instant. Maintenant, écoutez attentivement. Kadesh Barnéa. Kadesh Barnéa, c'était l'heure de test. Et chaque enfant qui vient en Dieu doit être testé. Et on est ensemble. Il n'y a aucune exception du tout. Dieu teste. Zambe amekaka. Qui est test et éprouve chaque enfant de Dieu qui vient en lui. Pas vrai? L'assemblée dit amen. Mais quand le test, les épreuves arrivent, qu'est-ce que nous trouvons? Les enfants de Dieu commencent à murmurer. Commence à déduire. Commence à regretter. C'est le test, mon frère, ma soeur. Les enfants de Dieu laissent la parole de Dieu de côté. Et commencent à raisonner autrement. Ils ne savent pour tout en sachant que c'est le test. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas à dire à Dieu, testez-moi de cette façon. Non, mon frère. Les épreuves, c'est Dieu qui les donne. Et il les donne comme il le veut. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour vous et moi, c'était tenu dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit en rapport avec ça? C'est ça la chose la plus importante. Mais Dieu teste toujours et toujours les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Chaque enfant de Dieu doit être testé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais après ce test-là, vous avez un caractère. Vous savez comment prier Dieu. Vous savez comment répondre. Vous savez comment réagir. Parce que tu es monté de classe. Tu n'es plus à la maternelle. À l'université. Il sait manipuler la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais. Seigneur, si toi tu m'as aidé à ce temps-là, tu m'aideras aussi aujourd'hui. Seigneur, si tu m'avais guéri cette maladie, tu me guériras aussi de autres maladies ici. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même en puissance. Le même en puissance. Le même en parole. Pitié d'attitude qui te donne ta parole. Que Dieu soit loué pour ça. Le test, mon frère, ma sœur. Mais qu'est-ce que nous remarquons? S'il y a le test, l'enfant de Dieu commence à se justifier. Il cherche à avoir raison. Il agit autrement par rapport avec la parole de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, mon pasteur, toi qui me prêchais,
Toi qui disais ceci, mais agissez selon la parole de Dieu. Pas c'est Dieu qui t'a testé. Pas c'est Dieu qui t'a éprouvé. Mais pourquoi tu laisses la parole de Dieu et tu viens agir autrement? Nous ne comprenons plus. Le test, hein, c'est pour chaque enfant de Dieu. Qui que vous soyez, vous passerez par les tests. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre ce chose de mon frère. Le test. Il dit ceci. Il n'y a aucune exception. Du tout. Dieu teste et éprouve chaque enfant de Dieu qui vient. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors paragraphe 126. 126, on pouvait dire ceci, même prédication. L'heure des tests est venue. L'heure de test est venue pour l'église luthérienne. L'heure de test est venue pour l'église méthodiste. L'heure de test est venue pour l'église pentecôtiste. Elle vient pour chaque église. Elle vient pour chaque personne. L'heure du test. Mais le problème c'est quoi? Quand c'est le test, prenez la parole de Dieu. Agissez en rapport avec la parole de Dieu. Allevez vos déductions là. Allevez l'intellectualisme. Dieu ne travaille jamais avec les intellectuels. Si vous êtes intellectuel, il doit enlever toutes ces connaissances là et te donner la foi. Parce qu'un chrétien ne raisonne pas. Un chrétien croit. C'est pourquoi il avait pris Moïse, qui était formé dans les universités pour devenir un prochain pharaon. Il l'a amené dans le désert pour enlever tout cela. Et on est ensemble. Moïse qui revient avec un bâton. Lui qui était un général de l'armée. Il revient avec un bâton sans cartouche. Parce que l'intellectualisme est déjà parti. Et la foi de Dieu est dedans. Restons ensemble. Ne raisonnons pas, mais croyons à la parole de Dieu. Agissons selon la parole de Dieu. Paragraphe 127. Le prophète dit ceci. Il n'y a aucun moyen pour vous de savoir que vous êtes dans les vrais. Tenez-vous-en au plan éternel de Dieu. Quand les tests arrivent, tenez-vous-en au plan éternel de Dieu. Tenez-vous-en à la parole. Ce que dit la parole, dites cela. Ce que dit la parole, ce que Dieu dit, dites cela. C'est juste. N'acceptez rien de moins ni de plus. Restons ensemble. Ni de plus. N'acceptez rien. N'acceptez que la parole de Dieu. Restons ensemble. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je saute un peu mes paragraphes. Il dit ceci. Et autre chose, alors que la parole de Dieu est remplie de promesses, pourquoi tu veux raisonner autrement? Alors que la parole de Dieu est remplie de promesses, oui, monsieur, nous n'avons pas besoin d'accepter un substitut. La vérité, c'est ceci: Dieu tient à sa parole. Peu importe combien elle peut sembler déraisonnable, Dieu tient à sa parole quand même. Certainement, il a fait. Est-ce qu'on est ensemble?
Dieu tient à sa parole, mon frère, ma sœur. Nous avançons. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, mon frère. Ne raisonnons jamais avec la parole de Dieu. Mais cherchons à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce dit la parole de Dieu vis-à-vis de cette situation qui m'est présentée. C'est ça l'unique moyen. Et s'accrocher à cela. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Paragraphe 130. Paragraphe 130. Le prophète dit ceci. Et un jour, Josué, Jésus viendra. Cette glorieuse majesté du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Il a promis il allait juger le péché. Jésus a promis qu'il jugera le péché. Il viendra un jour. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frère Branham est tapé deux fois dans sa chair. Ou bien vous acceptez le sacrifice que Dieu a prévu pour le péché. Ou bien vous en supporterez seul le jugement. Est-ce qu'on est ensemble? Ou vous acceptez le sacrifice qui s'est fait ce jour-là sur le calvaire? Ou vous acceptez que tu passeras seul dans le jugement? Ce sont les deux voies. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas où je suis à peu près chrétien. Ou vous êtes réellement chrétien? Ou vous n'êtes plus, vous n'êtes pas chrétien du tout? Mais quand on est chrétien, on doit mener une vie chrétienne. Marcher selon les principes d'acte chrétien. Accepter l'œuvre du calvaire. Ce sacrifice est là que Christ avait fait. C'est pourquoi le prophète dit, ou bien vous acceptez le sacrifice de Dieu. Le sacrifice que Dieu a approuvé pour le péché. Ou bien vous en supporterez, c'est le jugement. Que ça soit une nation, ça soit une église ou un individu, l'heure de test sera toujours là. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Paragraphe 131. Regardez bien. Ils ont envoyé quelqu'un. Ils ont envoyé 12 pour voir qu'il 12, hein? Ils ont envoyé 12 hein, pour voir ce qu'il en dirait. 10 d'entre eux sont revenus en disant, nous ne pouvons pas y arriver. C'est impossible. Nous ne pouvons pas y arriver. Ils ont regardé aux choses terrestres. Ils ont regardé à l'aspect terrestre. Mais les deux autres là, paragraphe 132 dit ceci. Mais ces braves Caleb et Josué, ils sont montés sur une souche. Ils ont dit, nous pouvons y arriver. Nous sommes capables d'arriver. Ils sont montés sur une souche. La souche c'est quoi? C'est les promesses de Dieu. La souche c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous devons monter là-dedans. Que le Seigneur nous a dit, il va nous préparer une place. Là où il sera, là où il sera, là où nous y serons. Ça c'est la souche que nous devons nous monter là-dedans. Et si on est ensemble, tel qu'il nous a promis, un jour nous serons là. Paragraphe 133. Il dit ceci. Pourquoi? Tout dépend de ce que vous regardez. Mon frère, ma sœur. Tout dépend de ce que tu regardes. Tout dépend de ce que tu regardes. Si vous regardez à l'aspect extérieur, et ça semble être comme ceci. Ça semble être comme ceci. Ne regardez pas à ce que les gens disent. Ou ce qui est dit n'importe où. Ou ailleurs. Si cela est contraire à la parole de Dieu, tenez-vous-en à la parole de Dieu. Ne regardez pas l'aspect extérieur de la chose.
tranquillité. Mais regardez à la parole que Dieu a faite. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Dieu les avait promis ce pays. C'est là-dessus que Caleb et les autres se sont fondés. Est-ce qu'on est ensemble? Ils étaient fondés parce que Dieu avait promis. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les promesses de la Bible sont les vôtres. Vous devez vous asseoir là-dessus. À n'importe quelle situation, prenez l'écriture biblique. Prenez les promesses que le prophète nous a données. Prenez la parole que Dieu nous a donnée. Et soyez là-dessus. Parce que Dieu a promis, il va réaliser cela. Il ne change pas. Il est le même Dieu. Pourquoi? Tout dépend de ce que tu regardes. Oh, dans notre famille, on ne se marie pas. Ne regardez pas à cela. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez à la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Dans notre famille, on ne réussit pas la vie. Ne regardez pas à cela. Parce que toi, tu n'es plus de cette famille-là. Toi, tu es déjà un peuple mis à part. Tu es de la famille de Jésus-Christ. Les promesses que Dieu a faites sont les vôtres. Vous devez simplement vous réveiller et s'accaparer de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le Seigneur avait dit, vous serrez la tête et non la queue. Est-ce qu'on est ensemble? Cette écriture, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. Parce qu'au ciel, hein, on n'aura pas besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent ici. Est-ce qu'on est ensemble? Alors vous devez réclamer cela. Seigneur, tu as dit, nous serrons la tête et non la queue. Et le Seigneur vous accordera cela. Mais la première chose, soyez d'abord en communion parfaite avec Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera accordé. Est-ce qu'on est ensemble? Ne cherchez pas d'abord le reste et vous laissez le royaume. Il faut commencer par avoir une parfaite communion avec Dieu. Quand vous sentez que le réseau est permanent, quand je lui parle, il me répond, il n'y a pas d'interférence. À ce moment-là, vous avancez avec les promesses, vous avancez avec la parole de Dieu, vous avancez avec les promesses, et vous verrez Dieu accomplir cela. Parce qu'il est le Dieu qui honore sa parole. Il est le Dieu qui n'est pas plus grand que sa parole. Il est le Je suis, le Dieu au temps présent. Et il va t'accorder, ma sœur. Oh, dans notre famille, nous sommes stériles, on ne peut pas avoir des enfants. Mais la Bible dit, parmi vous, il n'y aura ni stérile, ni avorté. Cette écriture a le pouvoir d'infaillibilité. Les problèmes, c'est de votre côté. Mais du côté de Dieu, nous a tout donné. Nous a tout payé le prix au double. Il nous a donné tout cela. C'est à nous d'exploiter. Mais avant de les exploiter, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. Oh, que Dieu nous aide. S'il faut arranger, arranger mon frère. S'il faut arranger, arranger ma sœur. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie meilleure. C'est comme si vous avez le monde entier dans vos mains. Vous ordonnez, vous commandez, vous ordonnez, vous commandez, vous ordonnez, vous commandez, vous donnez des injonctions même. Parce que tu as Dieu en toi.
Parce que tu es vraiment en Dieu. Tu ordonnes. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dieu tient toujours à sa parole. Dieu ne faillit jamais. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai lu paragraphe 130. Là, j'avais déjà lu. Oh mon frère, ma sœur, Dieu a dit à son serviteur, le révérend Baruti Kassong, alors que l'église était triste, n'a même pas un lopin de terre, Dieu lui a dit, je te bénirai. C'était juste ici. Et ce ne sont pas bénis. Baruti ne sont pas bénis. Une église, où il y a l'infusion du Saint-Esprit. Où l'église, où les dons se manifestent. Une église qui est derrière le pasteur en 100%. C'est une église qui est bénite. Oh, que Dieu nous aide. Qui tient toujours à sa parole. Quand il te promet quelque chose, il va réaliser. Il n'est pas un homme qui peut promettre ou ne pas réaliser. Lui, quand il promet, il réalise, mais il le fait au temps voulu. Oh, que Dieu nous aide. Mais mon frère, ma sœur, c'est un combat. C'est un combat. Et on est ensemble. C'est un combat. Je lis paragraphe 136. Oh, parfois, ça semble difficile. Maintenant, je veux que vous écoutiez ceci. C'est difficile. C'est un combat. C'est un combat. Écoutez mon frère, ma sœur. Au loin là-bas en Égypte, Dieu a dit, je vous ai donné ce pays et tout ce qu'il contient. Oh, il n'a pas simplement dit, je vais vous prendre et vous amener là-bas, vous y installer. Et on est ensemble. Je continue la lecture. Il dit ceci. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terre qu'ils ont obtenu. Est-ce qu'on est ensemble? Les enfants d'Israël, ils ont pris de l'Égypte directement jetés dans Canaan. Ils ont combattu. Est-ce qu'on est ensemble? La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat. Une vie de prière. Une vie de combat. Mais les combats que nous combattons, la victoire est de notre côté. Est-ce qu'on est ensemble? La victoire est de notre côté. Nous sommes plus que victorieux parce que le Seigneur Jésus avait payé le prix. Oh, que Dieu nous aide à compenser cela. Oh, que Dieu nous aide. Vous amenez là-bas en Israël tout comme ça. Ils ont combattu. Babundaka. Ils ont combattu. Babundaka. Ils ont dit combattre pour chaque pouce de terre qu'ils ont obtenu. Et 138, il dit ceci. Dieu, quand il a donné son ordre à Josué là-bas, il a dit, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et on est ensemble. Partout où tu iras, partout où tu combattras, partout où tu iras, l'Éternel ton Dieu est avec vous. Mais si Dieu est avec vous, vous êtes le plus victorieux, non? Mais est-ce qu'on est ensemble? Prenons courage. Avançons. Réclamez. Parce que vous avez la promesse de Josué. Est-ce que vous comprenez? Partout vous l'avez, vous donnez ce lien en possession. Il dit ceci. Paragraphe 139. L'Éternel ton Dieu est avec tout. Partout où tu iras, peu importe c'est combien difficile, combien grand est l'obstacle, ça n'a pas d'importance. Même si c'est dans la vallée de l'ombre et de la mort, l'Éternel
l'Éternel ton Dieu est avec toi partout. Peu importe le problème, même si tout l'enfer se ligue pour chercher à te combattre, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Même si dans la vallée de la mort, l'Éternel Dieu est avec toi. Combien de fois ils se sont ligués pour te tuer? Combien de fois ils se sont ligués pour t'enlever au travail? Combien de fois ils se sont ligués pour donc freiner tes affaires? L'Éternel de Dieu est avec toi, mon frère. Prends simplement courage. Observez seulement la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu. Marchez avec Dieu. Tu auras possession. Ce pays partout ira. La victoire de notre côté. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est avec toi partout. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il est toujours avec toi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Paragraphe 140. Il dit ceci. Oh Josué. Josué pouvait vaincre vraiment convoquer Israël et leur dire: tenez-vous ici et voyez la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Josué pouvait appeler les enfants d'Israël: venez, vous verrez la gloire de Dieu. Et ils vont voir ça. Le gloire de l'Éternel. Qui se tient à sa parole? Qui a fait la promesse? Qui avait dit à Josué: tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds est en vous. Je vous le donne. Et on est ensemble. Vous aussi, mon frère. Le Dieu de Josué, c'est votre Dieu ce matin. Partout ira. Le Seigneur te donne cela. N'ayez pas peur. Oh, des sorciers. Oh, des magiciens. Ce sont eux qui doivent fuir. Ils doivent fuir. Parce que le Dieu de Josué, le Dieu de Branham est avec vous. Et on est ensemble. Je lis paragraphe 141. Écoutez, mon frère, ma sœur. Si c'est pour le salut, Dieu te le donne. Si c'est pour la guérison divine, Dieu te le donne. Si c'est pour la bénédiction, Dieu te donne. Si c'est pour, si c'est pour quoi que ce soit, si que Dieu a promis, Dieu te le donne. Laissez vos empreintes. Est-ce qu'on est ensemble? Dans tout ce que tu fais là, Dieu te donne. En fait, que tu laisses les empreintes. Là où ça ne marche pas, ça va marcher avec toi. Pour que les gens sachent qu'il y a un enfant de Dieu qui est passé par ici. Là où ça ne va pas, ça va marcher. La maladie qu'on est inguérissable, ça va être guéri. Pour que tu puisses laisser les apprêts du temps. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Amen. Tout lieu où vous poserez les plans de vos pieds, je vous l'ai donné. Ça vous appartient. Dieu l'a promis. Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. J'ai la croix. Vous la croyez, frère. Il est temps pour nous de laisser des empreintes. Soyons courageux. Partout où tu es, laissez les empreintes. Soyez courageux. Partout où tu es, laissez les empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici toujours dans le même cas. Toujours en train de pleurer. Les autres pleurent. Toi aussi tu pleures. Mais quelle différence?
Les autres sont en train de pleurer. Toi aussi tu pleures. Toi en tant que fille de Dieu. En tant que fille de Dieu. Tu dois être dans la joie. Tu dois laisser les empreintes. Parce que le Dieu que tu adores vient à sa parole. Il a le pouvoir d'infaillibilité. Nous connaissons ensemble. Oh, que Dieu me raconte ces choses. Il dit ceci. Allô, Biboy. Il dit ceci. Allô, nous ne pouvons pas rester ici. Toujours dans la même camp. Dans le même cas. Le fait continue à avancer. Avançons de gloire en gloire, d'expérience biblique en expérience biblique. Est-ce qu'on est ensemble? Les faits avancent. Nous devons avancer avec les faits. D'expérience biblique à l'expérience biblique. Développons-nous et ouvrons nos cœurs. Ne soyons pas incrédules à la parole de Dieu. Nous devons nous développer avec la parole de Dieu et dire amen à la parole de Dieu et avancer avec ça. Pas de raisonnement, pas de déduction. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. N'en sortez pas. Restez là. Restons ensemble. Paragraphe 144. Il n'y a qu'une façon. D'y arriver. C'est de s'aligner derrière cela. Derrière la parole de Dieu. De continuer notre marche. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Branham tape trois fois, il dit ceci. Dieu tient toujours sa parole. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prend position pour Dieu et que Dieu délaisse. Non, mon frère. Ou tu n'as pas réellement pris position pour Dieu. Ou réellement tu as pris position pour Dieu. Mais quand tu prends position pour Dieu, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre est obligé de te soutenir dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dambe akumisama. Il dit ceci. Allez, Biboy. Je suis vers la fin. Nakomi Pemenasuka. Soyons calmes, je suis vers la fin maintenant. Paragraphe 146, il dit ceci. Mais c'est brave Josué. Il avait peut-être 40 ans. Il s'est frappé la poitrine. Et Caleb disait. Caleb disait, savez-vous quoi? Nous sommes plus capables d'y arriver. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un problème d'âge. Josué a Caleb avec 40 ans. Mais comme il avait sa souche, et qu'on est ensemble, il a dit, nous sommes plus capables. Alors les vieux étaient en Israël. Les plus âgés étaient là. Les plus âgés étaient là. Mais Josué a reconnu sa position. Il a dit, nous sommes plus capables. Pourquoi? Parce qu'il avait sa souche. Et la souche était quoi? La promesse de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ne soyez jamais effrayés par le nombre d'années que quelqu'un fait dans le message. Non, mon frère. C'est l'expérience que toi tu as avec ton Dieu. L'expérience personnelle. Josué n'était pas parmi les anciens. Et il en avait que 40 ans. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Mais le problème, c'était quoi?
Bon. Il a compris qui il était. Et son est ensemble. Et il avait sa souche. Et les autres regardaient à l'aspect extérieur. Les autres regardaient à l'aspect extérieur. Mais lui regardait à la promesse de Dieu. Il dit quand Dieu promet, il est obligé de réaliser cela. Oh, acclamons pour le roi des rois. Seigneur de Seigneur, le Seigneur de Seigneur, le prophète dit ceci. Caleb dit arriver, il dit frappement d'ici. Il dit ceci. Oh frère, un petit juif, on est crochi. On est crochi. Donc Caleb que vous attendez là. Caleb boyo kawana. Il dit, un petit juif au nez crochu, qui était là, est sauté, a sauté à l'air, en disant, a sauté à l'air en disant, nous sommes plus que capables. Le prophète dit ceci, nous sommes plus capables, mais nous sommes plus que capables. Il a dit nous sommes plus capables. Non seulement nous sommes capables, mais nous sommes plus capables. Pourquoi? Dieu l'a dit. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a dit cela. Dieu avait promis cela. Nous sommes plus capables. Je suis plus capable de me marier. Je suis plus capable d'avoir l'emploi. Je suis plus capable d'arriver au ciel. Je suis plus capable de mener une vie chrétienne. Je suis plus capable d'avoir les enfants. Je suis plus capable de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Parce que Dieu l'a dit. Oh, que Dieu soit loué. C'est parce que Dieu l'a dit. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu l'a dit. Pour pouvoir avoir une véritable Pentecôte, pour pouvoir avoir un vrai réveil, Dieu l'a dit. Dieu tient sa parole. Et sonnez ensemble. Si vous voulez besoin, vous avez besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Vous voulez avoir un réveil dans ton cœur. Vous voulez avoir la Pentecôte en toi. Dieu a promis cela. Et nous sommes plus capables d'avoir cela parce que Dieu a promis. Le Dieu qui a promis ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il dit ceci par 157-153. Quand je marche à la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. A dit David, il est toujours là. Il est toujours là. Nous sommes ensemble. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, le Seigneur est toujours là. Et on est ensemble. Il est toujours là. Il est toujours là. Il tient sa promesse. Il est le fidèle éternellement. Il ne peut pas faillir. Sa parole ne faillira jamais. Les cieux et la terre passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Paragraphe 158. C'est que notre patron veut. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, c'est que notre patron veut. Il y veut une église sans tache. Sans tache, sans ride. Il y avait un groupe de gens lavés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Une église sans tache, ni ride, mais lavée par le sang de Jésus-Christ. C'est l'église qui accepte le sacrifice du calvaire, disant que le Seigneur a payé le prix pour moi. Le Seigneur a versé le sang pour moi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est ce que notre patron fait. Il fait un peuple qui a la foi, qui se tiendra à sa parole.
et qui dira, ça c'est la vérité. C'est la vérité éternelle. Dieu a dit, retournez ensemble. Elle est pour moi et je la crois. Ce n'est pas un groupe qui résonne avec la parole de Dieu. Il y a un groupe qui croit à la parole de Dieu. Quand nous parlons de l'église, c'est l'église en tant qu'individu. Vous en tant qu'individu, vous devez être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous devez croire à la promesse de Dieu. Vous devez croire à la parole de Dieu et à tout ce que Dieu a promis. Parce que quand il promet, c'est la réalité. Il ne change pas. Et frères et sœurs, je sais que les épreuves sont dures. Paragraphe 168, c'est le prophète qui dit ça. Je sais que les épreuves sont dures. J'ai pris l'âge. Et j'ai prêché. J'ai fait tout ce que je peux faire. Je suis arrivé au point où je vois que je ne peux rien faire. De plus, j'ai tout simplement déposé tout. C'est là dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce ensemble? Dépose ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Dépouille-toi totalement. Montre-lui tes faiblesses. Ne cache rien en Dieu. Dis Seigneur, vois le péché qui est constamment devant moi. Seigneur, voici la faiblesse que j'ai. Seigneur, voilà comment je suis en train de marcher. Dépose tout cela entre les mains de Dieu, lui le maître pontier, et il va achever l'œuvre qu'il a commencé. Et le prophète dit ceci, dépose entre les mains de Jésus-Christ, et je chevauche. Je chevauche les promesses de Dieu. Quand vous déposez votre vie entre les mains de Dieu, commencez maintenant à chevaucher les promesses de Dieu. Dieu a dit ceci. Dieu a dit cela. Dieu a dit ceci. Dieu a dit cela. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Oh, que Dieu nous aide. Moi, l'Éternel, je l'ai planté. Je l'arrose jour et nuit. De peur qu'on l'arrache de ma main. L'église de Dieu demeurera pour toujours. Est-ce on est ensemble? Les prédestinés de Dieu. Ce que Dieu avait connu dès avant la fondation du monde. Demeureront toujours enfants de Dieu. Jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Est-ce on est ensemble? Personne ne peut te combattre. Ne peut te bloquer. Paragraphe 173, il dit ceci. Le diable a fait faire entrer parmi nous des critiques. On s'est moqué d'être contre saute un peu. Mais oh Dieu, oh, comme Josué et Caleb, d'autres fois, nous continuons à dire que nous tenons éternellement à la parole de Dieu. Et il tient sa parole, sa promesse. Il a dit qu'il le ferait. Nous le voyons se faire. Ça, 75, il dit ceci. À partir d'aujourd'hui, je chevauche ta parole. Dis cela. À partir d'aujourd'hui, dis cela, mon frère. À partir d'aujourd'hui, je chevauche ta parole. Je chevauche la parole. Je chevauche ta parole, Seigneur. Je chevauche la parole, Seigneur. Je me tiendrai à cela. Je me tiendrai à cela. J'accepterai Christ comme mon sauveur. Je n'essaierai jamais. De faire ces choses pour chercher. À mériter mon salut. Je croirai simplement au Seigneur Jésus-Christ. Je l'accepte. Je resterai. Place pour mon cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Zolanda. Mon Dieu. Et la paix qui surpasse toute intelligence. Je m'attendrai simplement à toi, le Saint-Esprit, pour que lui me donne. Au moment donné, je me suis élevé et j'ai cru que je pouvais y arriver tout seul. Mon frère, ma sœur, tu n'arriveras jamais tout seul. Je n'arriverai jamais tout seul. Mais je suis rendu compte que je ne pouvais pas. C'est sûr.
que vous ne le pouvez pas. Mais si vous restez simplement là assez longtemps pour que lui l'efface, alors ça ne bougez pas. Alors ça sera ancré dans votre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Le Dieu qui tient sa parole. Le Dieu qui tient sa parole. Je vais lire quelque part pour terminer. Dieu qui tient sa parole. Le prophète dit ceci au paragraphe 177. Ou je commence à 176. Mais si c'est vous qui essayez de faire cela, vous allez échouer. Vous échouerez. C'est immanquable, mon frère. Voilà la raison pour laquelle vous avez vos hauts et vos bas. En essayant de mener une vie chrétienne seule, vous ne sourez pas. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Il faut reconnaître l'œuvre du calvaire. Il faut marcher avec ce Dieu-là. Vous êtes en dedans et en dehors. Et toutes ces choses que vous faites, c'est parce que c'est vous qui essayez de faire. Vous essayez de devenir chrétien, vous comporter comme un chrétien, mais finalement vous tombez par ça. Vous tombez toujours dans ça. Parce que vous essayez de faire ça. Et vous dites, oh, je crois que ça va bien. Pour moi maintenant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. C'est le Saint-Esprit qui entre en vous. C'est le Saint-Esprit qui entre en vous. C'est lui qui s'installe. Il enlève tout le veille. Rassure d'amertume. La veille est comme une colère. Le tempérament colérique, la jalousie, l'amour du monde et tout. Il enlève tout cela en vous. Alors vous êtes un nouveau. Une nouvelle créature. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Paragraphe 177, il dit ceci. Voulez-vous lever la main pour dire, oh Christ, fais de moi ce genre de chrétien. Fais de moi ce genre de chrétien ce matin. Fais de moi ce genre de chrétien. Là, ce matin. Je vais être comme Jésus. Je veux que toutes les racines d'amertume soient ôtées de mon cœur. Oh, que Dieu nous aide. Voulez-vous recevoir une correction pour ça? N'oublie pas. Oui, vous récolterez ce que vous aurez semé. Oui, messieurs, vous récolterez ce que vous aurez semé. Quoi que vous fassiez, prenez votre correction ici, mon frère. La parole nous est prêchée. C'est Dieu qui nous a corrigé ce matin. Parce qu'il a promis et il va réaliser cela. Recevez tout cela de suite. Redressez-vous. Redressez-vous et dites, Père, me voici, corrige-moi, comme bon te semble, Seigneur, me voici, c'est exact. Ensuite, repartez avec un Alléluia, un Alléluia dans le cœur. Si Dieu vous a administré une correction, dites simplement, oui Seigneur, je l'ai bien mérité. Oui Seigneur, je l'ai bien mérité. Continuez simplement à avancer. Dieu vous mènera à bon port. Ce sera terminé un de ce jour. Ce sera terminé un de ce jour. Écoutez mon frère. J'ai lu pour clôturer. Vous m'avez dit ceci. Tu as dit dans ta parole. Je souhaite que tu prospères en tous égards et sois en bonne santé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit ceci. Prospère en tous égards. Dieu a dit.
Tu as dit dans ta parole, je souhaite que tu prospères en tous égards et sois en bonne santé. Que la puissance de Satan qui les empêche d'accéder à cette bonne santé, qui est père et qu'il se retire, qu'il puisse se traverser et entrer dans le pays, dans le pays de la santé, dans le pays de la santé, de la force, et qu'il vive heureux sur cette, ici, sur cette terre, en te servant Dieu, en te servant, en te servant. Accorde le Seigneur. Viens ce matin. Viens ce matin. Avec une grande puissance. Puisse te mouvoir sur nous. Alors que nous nous humilions nos cœurs devant toi. Nous les demandons au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ. La parole nous est prêchée. Dieu tient à sa parole. Les dieux que tu adores. Les dieux qui t'adorent a le pouvoir d'infaillibilité. Si ce matin tu as été corrigé, l'autel est proche. Venez à l'autel. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Et tu vas commencer une nouvelle vie. Je vais te rassurer que les dieux que tu adores a le pouvoir d'infaillibilité. Quand il promet, il réalise. Il a promis que il viendra nous chercher. Il a promis que l'enlèvement aura lieu. Pour être enlevé, mon frère, ma soeur, vous devez être correct avec Dieu. Pour être enlevé, ma soeur, mon frère, vous devez marcher avec Dieu. Pour être enlevé, mon frère, ma soeur, vous devez marcher en nouveauté de vie. Pour être enlevé, mon frère, ma sœur, nous devons laisser cette vie de critique. Si vous avez critiqué, vous avez injurié, voyez votre frère, voyez votre sœur, arrangez cela, parce qu'à très bientôt, l'enlèvement interviendra. Le Dieu que nous adorons tient à sa parole. Dieu tient à sa parole. Dieu tient à sa parole. Il ne laisse jamais le péché impuni. Il ne laisse jamais le péché impuni. Approchez-toi, mon frère. L'occasion vous est offerte pour arranger ta vie, parce qu'à très bientôt, l'enlèvement interviendra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Allons chanter. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons les choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main, tiens l'immuable. Dieu, espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transition, rien sur terre n'est immuable. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Ô mon frère, ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Oui, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Oh,
choses t'aiment. Tiens le miroir de main de Dieu. Oui. Tiens la main. Les années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oh, tiens la main, l'immuable. Rapidement cherche le trésor céleste qui ne passeront jamais. Tiens la main. Toi qui as la souveraineté dans les cieux et sur la terre, nous te remercions cet après-midi, Seigneur, de la parole que nous venons d'entendre ce matin. Nous croyons cela, que toi tu tiens ta parole. Nous croyons que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Nous croyons que ta parole ne sort jamais à vide et ne peut jamais rentrer chez toi sans effet. C'est pourquoi nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que c'est toi le Dieu de l'élection. C'est toi le Dieu de l'élection. Tu choisis selon ta sainte volonté. Reçois la gloire et la louange. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis-le richement, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis son épouse et ses enfants. Nous te demandons ce matin, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Afin que chacun de nous ce matin, qu'il se tienne sur tes promesses. Qu'il se tienne sur la véritable souche.
qui sont tes promesses. Nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons. Donne-nous le courage. Donne-nous la persévérance. Donne-nous la ferveur spirituelle. Afin que nous puissions nous tenir sur tes promesses. Que nous puissions croire à tout ce que tu as dit. Et que nous puissions avancer avec cela. Oh, toi, le Dieu de Josué et de Caleb. Sois le Dieu de chacun ce matin. Seigneur Jésus, voici ton peuple debout devant toi. Il y en a qui sont à l'autel. Nous sommes un peuple nécessité ce matin. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Afin que chaque requête puisse avoir une solution. Que toutes les maladies soient guéries au nom de Jésus-Christ. Avec l'autorité de la parole de Dieu, je brise toutes les puissances démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité de la parole de Dieu, je brise les portes de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, que les captifs soient libérés, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les beautés soient comme des cerfs, que les sourds entendent, que les muets parlent. Seigneur Jésus, que ceux qui sont morts dans les péchés, au nom de Jésus-Christ, qu'ils viennent en repentance. Donne-leur la grâce de la repentance. Donne-leur la grâce de la repentance. Que celui qui est tombé très bas, qu'il sente la condamnation dans son cœur. Qu'il confesse ses péchés. Et que tu lui fasses grâce. Je te prie ce matin, Seigneur. S'il y a un cœur brisé ici, Seigneur Jésus, tu es un Dieu dont la colère dure un instant. Et tu es un Dieu dont la colère dure un instant. Mais ta bonté dure de génération en génération. Ce matin, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde. Regarde-nous au travers du sang. Car tu as dit, quand tu verras le sang, tu passeras par-dessus. Bénis ce peuple. Bénis leurs pasteurs. Bénis leurs pasteurs associés. Bénis leurs administrateurs. Bénis leurs conseils des diacres. Bénis cette église, Seigneur. Oh Dieu, que la flamme du Saint-Esprit demeure ici. Nous te prions ce matin. Et ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent le feu céleste. Nous te le demandons, Seigneur. Baptise-le de feu et de Saint-Esprit. Qu'ils sortent d'ici dans la joie du salut. Que ceux qui étaient venus avec des cœurs attristés, qu'ils reçoivent la joie du salut. Que ceux qui n'avaient pas la paix, qu'ils reçoivent la paix du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont très faibles, qu'ils sont fortifiés. Que ceux qui étaient venus rétrogrades, qu'ils reviennent à ta parole. Et ceux qui étaient venus malades, en sortant des portes de l'église, qu'ils sortent déjà guéris. Ceux qui avaient laissé leurs enfants malades, ou leurs femmes, ou leurs maris, ou les membres de leur famille, au nom de Jésus-Christ, qu'ils les trouvent déjà guéris. Nous te les demandons,
demandons ainsi. Nous te demandons, Seigneur, bénis-nous. Que chacun de nous soit accompagné par la gloire de la Shekinah. Pour ta gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci beaucoup. Applaudissez pour le Seigneur. Nous appelons à penser à la pour nous chanter un peu. Kolo Yesu Mobiki Sinangai. To begi papa sa la pona koye bela biso Kolo Yesu Mobiki Sinangai. Kolo Yesu Mobiki Si. Alors, on est en train de prélever les offrandes. Wana dozali kozama kabo.